Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment, je sais qu'à chaque fois je le dis, mais très 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 spéciale, tout simplement parce que comme vous avez vu, recréer l'histoire, comme vous avez vu, on n'est pas sur Play, on n'est pas sur FUT les gars. Et non, on n'est pas sur FUT, on est sur FUT, mais sur FUT sur ordinateur, c'est-à-dire que c'est FIFA World. Donc c'est un jeu que vous pouvez télécharger en allant sur FUTED. Il y a le lien de la vidéo YouTube, et sur le lien de la vidéo YouTube, il y aura un lien pour télécharger. Je sais pas si je le mettrai dans la description, je sais pas si j'ai le droit ou quoi que ce soit de le mettre, mais voilà. Franchement, il est très très bien. J'ai fait un ou deux petits matchs là, et franchement, c'est assez stylé. Bon, je vais déjà vous. On va déjà faire un petit peu d'achat avant, parce que comme vous voyez, j'ai que 1500 crédits. Et franchement, il est vraiment stylé. Donc, je suis désolé si vous entendez toujours ma souris, j'y peux rien. Comme je suis sur souris, comme je suis sur ordi, j'y peux rien. Des mégapacks, c'est quoi comme mégapack à 35k? Ok, donc regardez par exemple, je vais déjà vous montrer si on veut jouer par exemple club, mon club, équipe. Donc on peut gérer notre équipe comme dans FUT, mais ici vous rappelez dans FUT 13 il y avait les compositions. Ici aussi il y a les compositions, et vous avez le choix au début du jeu de mettre un club que vous aimez. Par exemple, moi j'ai mis Real parce que je suis portugais, il y a Ronaldo, il y avait Mourinho, etc. etc. Et franchement, c'est là où vous pouvez avoir Ronaldo. J'ai espéré avoir Ronaldo et j'ai eu Morata. Et je l'ai fait jouer directement dans l'équipe. Voilà, c'est tout. Et puis après, voilà quoi, c'est les mêmes choses. On commence avec une équipe de base. Il n'y a pas vraiment de changement là-dessus. On va revenir. Voilà, on va revenir au début. On va essayer d'aller faire un petit peu d'achat à vendre, les gars. Parce que je veux gagner des crédits. J'ai 1500, je vais me faire une petite équipe. Ça serait pas mal. J'ai regardé un peu les joueurs qu'il y avait, les prix, etc. 250. Comme d'hab, les gars, ma petite technique assez stylée. 250. Et on fait des offres. On va voir si on arrive à faire des offres sur des joueurs. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, les gars. C'est ça le petit souci du truc. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent. Par contre, là. Je suis encore un petit peu perdu, les gars, pardon. Je suis encore un petit peu perdu par le. Parce que là, il y en aura beaucoup. 46 minutes, etc., etc. Je pense pas que. Ah, ça énerve ça. Voilà, comme ça. Comme ça, on va en trouver quelques joueurs. Quelques-uns, mais comme ça, voilà, par exemple, comme Guzan. 24 minutes. Ah, en fait, il y a personne en fait qui joue carrément à ce jeu, quoi. Piti. Pardon, c'est la manette de Play qui vibre. Alors. Faire une petite offre pour Guzan. Voilà une petite offre. Il y a quoi encore qui serait pas mal à faire une offre? On peut faire sur. Mais surtout, de toute façon. Et. Offre actuelle 250, comme vous voyez ici, 250, et moi je vais faire à 300. De toute façon, je gagne 4 crédits ou quelque chose comme ça. Voilà les gars, donc je vais vous montrer déjà à peu près les prix des joueurs, vous sachiez à peu près à quoi vous avez. Je vais juste aller regarder s'il y a déjà des Man of the Match en vente. Surtout un qui m'intéresserait, bien évidemment. Je vais commencer par une portugaise, les gars, comme d'hab, comme dans chaque FUT, je commence toujours par une portugaise. Tac, donc je pense que vous savez qui je vais chercher, les gars. Voilà, tac, je pense que vous savez déjà qui je vais chercher. Le voilà, il est où? Il est pas là? Il est pas encore sorti? Là, voilà, donc il coûte 32 000 crédits, donc ça va, franchement. Voilà, c'est sur Play, il coûte 80 000 à peu près, 70 000. On va aller chercher un autre joueur, donc je vais aller chercher tout simplement Jackson Martinez Dots, parce que j'aimerais bien aussi le mettre dans l'équipe. Il est colombien cette fois. Colombie, et il joue pas à Benfica, il joue à FC Porto. Tac. Alors, combien tu coûtes, mon petit? Donc, vous êtes prêts? Ah ouais, il coûte pas cher, 44 000. 45 000, en normal, il coûte. Il y a déjà eu un monopole. Il y a déjà des mecs qui ont fait des monopoles, les gars. Ah, c'est chiant. Donc voilà, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, les gars.
Après, il y a un petit avantage là-dessus, c'est que ici, quand vous allez sur votre profil, vous avez des récompenses à faire. Des trucs, par exemple, moi je joue en solo, hein, franchement, je vous l'avoue, je joue en solo parce qu'on doit jouer avec le clavier et la souris, c'est assez hardcore. Ouais, on va faire peut-être un petit match. Regardez. Gagner par au moins 7 buts d'écart dans n'importe quel mode. Vous voyez, ça donne 2000 crédits. Marquer 2 buts dans les 10 premières minutes. Joueur solo fut. 600 crédits. Ça, c'est fait. C'est pas fait, ça. Non, c'est fait comme ça. Il y en a un qui a été fait, donc j'en ai marqué un. Marquer un but en première période, une prolongation, compétition hors ligne fut. 4 buts. Marqué et la défaite au bout. Dans le vol de voiture, marqué 4 buts dans un match tout en concédant une défaite. Donc voilà, vous, par exemple, vous marquez 4 buts et vous marquez 5 buts contre votre camp, par exemple. Contre votre camp, par exemple. Et bah, vous gagnez 500 crédits et un pack argent. Un match nul à rebondissement. Faites un match nul en marquant mon 4 buts dans n'importe quel mode. 2500 crédits, ça je vais le faire après ça. Faites un match nul dans n'importe quel mode, ça je vais le faire aussi. Marquer 150 buts de la tête. Bah ça après, le but ce serait d'acheter. Moi je vais m'acheter une petite manette sur ordi. Parce que franchement ça peut être pas mal. Là c'est la bêta les gars. Hein. Je sais pas si vous voyez en bas, mais c'est la bêta. Après vous avez temps limite. Donc aujourd'hui, donc un coup de tête. Marquer un but de tête avec un joueur d'Arsenal à n'importe quel mode fut. Voilà, donc 1500 et 1500. Donc, Hull City, Arsenal, Hull City. Y'a qui qu'on pourrait acheter Arsenal ou à Hull City pour gagner les crédits là. Ce serait pas mal, les gars, de le faire. Hein. Je vais aller regarder. Et puis après, bah, je vais peut-être faire un petit match. On verra. Tac. Donc, championnat Barclay. Club Arsenal. Rechercher Yaki comme joueur. Ramsey, tu coûtes combien? 78 000. C'est un peu trop cher ça pour moi encore, hein, les gars. J'ai 900 crédits, donc attendez, on va faire un petit truc. Ça énerve ça. Je suis pas encore habitué, je suis désolé. Je suis pas encore très très habitué. Est-ce qu'il y en a? Aucun résultat, ok. Donc on va mettre Hull City, parce que je pense pas que, voilà, fait, les gars, ils ont vu qu'il y avait ça, ils ont acheté les joueurs directement pour faire un monopole. Voilà, c'est ce que je disais. On va aller juste regarder s'ils ont fait le monopole sur des joueurs de Hull City, parce que je sais pas qui il y a, en fait. Non, pas 50, quel con. Tac. Vous savez ce que je vais faire, les gars? Je vais quand même surenchérir sur les joueurs à 250 parce que je vais gagner des crédits assez vite fait. Vite fait, bah c'est facilement. Donc gagner 50 crédits par joueur, c'est pas négligeable. Ouais, c'est vrai que là. Et franchement, bah ça a l'air d'être vraiment très très bien. À part que bah, on doit jouer avec le clavier et la souris. À part si vous avez une manette PC. Franchement, bah si vous avez une manette PC, je vous conseille vraiment d'y jouer, les gars. C'est un très très bon jeu. Moi, comme je vous ai dit, j'ai. Offre actuelle 250. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment joué pendant des heures. Là, j'ai commencé il y a 5 minutes, 5-10 minutes. J'ai le temps de faire un match en fait. Et franchement, bah pour l'instant, j'adore. J'adore parce que c'est vraiment bien fait. Surtout le système des. Hop là, allez. Surtout le système des récompenses, je trouve que c'est vraiment très 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 bien pensé. Je peux encore surenchérir sur un. Offre, voilà. Donc on va aller voir dans notre liste des transferts, on n'a rien pour l'instant, normal. Liste prioritaire, donc on voit ici les gars que j'ai quelques trucs dans la liste prioritaire. Hein. Donc Martinez que je voulais voir combien il partait, donc voilà, retiré de la liste, et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est déjà pas mal les gars. Donc on va faire vite fait un
Ouais, on va pas faire de. Ouais, je gagne 50 ici, 4 ici, 5 ici à peu près. Voilà. Donc, on va faire un petit match vite fait. Je vais regarder vite fait les trucs que je peux faire. Voilà, donc ici, vous gagnez 10 000 crédits, 9 000, 8 000. Tac, 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 qu'on s'atteigne les niveaux plus haut. Donc, moi, ce que j'aimerais bien faire, ce serait celui-là, mais je peux pas. C'est quoi ça? Marquer 10 buts. 100 crédits, tac. Marquer ça, ça c'est des buts, ça c'est marquer des buts. Ça. Marquer 100 buts. Progression, c'est quoi ça? Ah, c'est la progression des niveaux. Mon équipe. Surenchérie, il y en a deux qui ont été surenchéris. Neymar en progression, marqué avec Neymar dans la deuxième période de progression, position hors ligne fut. Marqué avec Lionel Messi. Oh, c'est très compl c'est très bizarre ces trucs. C'est des trucs vraiment stylés. Marqué avec n'importe quel joueur d'Argentin. Quel joueur argentin? Marqué avec le joueur canadien de votre choix. Est-ce qu'il y a est-ce que j'ai un joueur canadien ou un joueur argentin? Parce que vu que je joue en hors ligne, qui a été surenchéri? Toi? C'est pas grave, si, c'est pas grave s'ils sont surenchéris, franchement les gars. De toute façon, c'est pour vendre. Tac. Donc, est-ce que j'ai un joueur argentin ou un joueur canadien? Je sais pas du tout. Donc, joueur argentin ou joueur canadien. Non. Je sais pas, est-ce que je l'ai eu dans un pack, par exemple? Bah oui, j'ai eu un pack de départ, hein, les gars, comme tout le monde. Aucun joueur argentin ni canadien. On va essayer de trouver un petit joueur vite fait avant de jouer. Je suis désolé hein, les gars, bah, c'est franchement le test du jeu en fait, on va dire, c'est un jeu, c'est le test du jeu. Et ben, on va essayer de faire ça vite fait, hein, c'est pas non plus. C'est pour vous montrer aussi comment ça marche le jeu, et en match, comment ça marche, comment ça se déroule, etc, etc, etc. Ouais, c'est compliqué, il faut dire hein, de les acheter maintenant parce que les mecs, bah, ils ont fait, comment dire, des monopoles. On va essayer de trouver, vu qu'il y a des argents et des ors et des bronzes, on va essayer de trouver par exemple 400 chez les médias. Allez, il y en a plein, il y en a même à 200, donc ce qu'on va faire, les gars, par contre, il n'y a plus de contrat. C'est la recherche, on va mettre 200. Ce serait pas mal, de toute façon après on vend le joueur et puis c'est juste pour faire le truc quoi. Il y a un AT, il y a un MC, on va acheter celui-là. Achat immédiat. Tac. C'est quoi? On attribue. Ah, ils viennent ici les trucs. Ok. Stocké dans le club. Voilà. Donc maintenant bah, on va aller dans. Je suis un peu perdu, c'est sûr, les gars. C'est très très compliqué au début quand vous comprenez pas, quand vous connaissez pas. Donc voilà. Donc justement, je veux l'argentin. Tac, 78 de vitesse, ça va. On s'en fout qu'il soit là, les gars. De toute façon, je vais le faire courir. Vous allez voir que c'est très simple en hors ligne. Jouer. Regardez. Tac. J'ai gagné 8 à 1 pour vous dire. J'ai mis 7 buts, après j'ai laissé jouer, puis à la 90e j'en ai mis un autre. Jouer match. Bien évidemment, il y a la forme, il y a les contrats. Contrats, c'est les contrats ça. Bon, de toute façon, ils ont tous beaucoup de contrats pour l'instant. C'est la forme qui va être galère, c'est pour ça que je vais essayer de faire directement deux équipes. Bah déjà je vais commencer avec une équipe D1 portugaise je pense. Je vais voir franchement les équipes les moins chères qu'il y a parce que c'est ça le but de faire une équipe non pas chère parce que simplement je joue en hors ligne les gars, Bonjour à tous, c'est pas la mort. Attendez. Bonjour. Tac. Donc le truc c'est juste baisser un peu le son des commentateurs là qui font chier. Ouais, vous pouvez tout baisser. Détail. De match. Voilà, donc moi je joue pas avec le clavier et la souris.
Je joue avec les flèches pour courir. Bah c'est vous allez voir, c'est très facile. C'est qui le joueur argentin? C'est là-bas. Regardez. Voilà, vous passez. Voilà. Et j'y suis. Bim. Donc vous voyez en haut à droite, donc pour bouger c'est les flèches du haut, flèches du bas, flèches du droit, etc. 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 Pour faire une passe c'est S. Pour faire une frappe c'est D. Et pour faire une passe en l'air, donc une passe, un centre, on va dire un centre, ouais. Ah c'était là-bas. Je veux là-bas moi. Et faire un centre, bah c'est A. La frappe de là-bas, bah oui, là il a zéro. Il a presque, ouais, il a zéro de collectif, je crois. Tac. Allez. Bah, là, je veux absolument marquer avec là-bas, c'est sûr. Est-ce qu'on va mettre le but de l'année? Non. Et bim, voilà. Donc voilà, j'ai réussi le défi, les gars. Le défi, c'était marquer un but avec un joueur argentin. Après, j'achèterai un joueur canadien, etc. etc. Et c'est vraiment très stylé. Il devrait faire ça sur FUT. Parce que. Bah, c'est classe, quoi. C'est vraiment très très classe. Bah, vous avez vu le nom de mon club, Benfica, voilà, normal. Mais franchement, c'est très 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 classe. Parce que. Bah, voilà, quoi. C'est un jeu qui change. Déjà, il est gratuit, les gars, pour l'instant. Il est gratuit. Il est. C'est la bêta, donc je sais pas s'il va être gratuit pendant tout le. Comment dire, je sais pas s'il va être gratuit tout le temps. Ah, j'ai fait trop de force dans la passe. Je sais pas s'il va être gratuit pendant tout le long du. Ben, après la bêta, quand le vrai jeu sortira. Ça, c'est juste la bêta. Je sais pas si c'est un vrai jeu ou pas. Tac, on change. Allez, par Morata. Ah, pas mal la frappe. Bah je vous dis les gars, je suis vraiment très très content qu'ils aient sorti un jeu comme ça. Je l'ai dit au moins 10 fois qu'il était très 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 bon comme jeu. Je pense que je mettrai le lien dans la description. Je sais plus si je l'ai encore en fait. C'est ça le truc, je sais plus si j'ai encore. Comme un con, j'ai frappé direct. Je sais plus si je l'ai encore le lien, normalement je peux le trouver. Et bah là je vous le dis, le lien sera dans la description. Cette fois je ne l'oublierai pas. Je tenais à remercier quand même les 250 abonnés. Voilà, bah c'est très sympa à vous. Bah, 250 abonnés, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous voulez que je vous fasse quelques autres vidéos sur ce jeu, si vous le téléchargez. Bah, je sais pas, des astuces charmantes, bah, on peut pas trop en faire. Bah, c'est FUT quoi. C'est la même carte que FUT, c'est exactement la même chose, les changements de poste, etc. etc. Ça se trouve, je vais garder là-bas en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire comme célébration? La danse, fais la danse. Tac. Avec les pieds, là, bizarre. Voilà, donc franchement très très bon jeu. Et bah, les graphismes, ça va, c'est on dirait du FIFA quoi, mais sur ordi. Voilà, c'est pas le meilleur graphisme, c'est pas comme la PS4 les gars, c'est pas ils sont pas meilleurs que oh, je le tirais dessus. Ils sont pas meilleurs que FIFA PS3, ça c'est sûr certain. Ça sera jamais meilleur un jeu comme ça, mais après comme je l'ai dit c'est la bêta, donc je sais pas s'il y aura des meilleurs graphismes, mais franchement c'est très très classe à eux parce que le jeu il est gratuit les gars, franchement bah, il est gratuit et ça fait plaisir d'avoir un jeu gratuit, surtout d'avoir un jeu gratuit. Et ben c'est très très classe, franchement c'est Ultima Team en gratos. Allez, je sais pas tirer les corners hein, les gars, c'est la troisième fois que je les tire là. Voilà. On va finir vite fait le match, on va voir si on a eu les trucs. Il faut que je marque avec un joueur canadien aussi après, mais. Reprendre le match. Genre, j'ai 742 crédits, donc un joueur a dû être surenchéri. J'ai voulu faire une fin de frappe pour voir ce que ça donnait. Je sais pas si on peut skiller là-dessus, les gars. Je sais pas du tout si on peut faire des skills. Mais si tu vas où? Le mec, il veut se casser comme ça, il veut sortir du terrain. Tu peux sortir du terrain, mais donne-moi la balle d'abord.
Ouais, j'ai fait le mauvais passe. Je pense que je vais quand même garder là-bas pour la fin de ses contrats. Et après, bah, je vais le vendre. Voilà, je vais finir la saison 10. Donc la division. J'essaie de marquer un petit beau but quand même pour mettre du spectacle en fait, on va dire. Tac. Je suis désolé, hein, franchement, si vous entendez. Si vous entendez bah, le bruit de la souris et des touches. Normalement, vous ne devrez pas entendre le bruit des touches, mais de la souris quand je touche, oui. Voilà, donc vous voyez, les passes sont pas encore très très précises. Voilà, vous voyez, les passes sont pas encore très précises parce que justement, bah, on joue pas avec les joysticks et c'est pas télécommandé en fait. C'est pas, y a pas d'aide de l'ordinateur ou quoi que ce soit. Par contre, c'est très très simple à jouer, les gars. C'est pas. Tac. Et voilà, le but. Morata. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu mettre Benfica comme club. Désolé pour le petit silence. C'est vrai que j'aurais pu mettre Benfica comme club, mais j'ai essayé bah, de voir si j'allais avoir Ronaldo, on sait jamais. De toute façon, j'aurais pas pu le vendre. Si je savais que j'aurais pas pu le vendre, bah, j'aurais directement pris Benfica. Malheureusement, bah, j'ai pas pu. Ronaldo sur ce jeu-là, il coûte 750 000 crédits à peu près. J'ai vu une offre avant pour 750 000, donc ça veut dire qu'il y a déjà des gars qui ont eu des taux. Je sais pas, il y a des. C'est bizarre, des gars qui ont déjà 750 000 alors que le jeu il est sorti hier. Plutôt, ouais, il est sorti aujourd'hui en fait, parce que vous verrez pas la vidéo tout de suite. Ouais, j'ai voulu faire une passe. Vous verrez pas la vidéo tout de suite, mais le jeu, ben, je le teste 3 heures après. 3, 4 heures après sa sortie, je pense. Juste comme ça. Ouais, non. Ouais, ça doit être ça à peu près. Ah, gardien, il est très très bon. Franchement, il fait des arrêts de fou, les gars. Non, bah voilà, je sais pas. J'ai voulu vous proposer une vidéo sur ce jeu, bah, tout simplement parce que les gars, bah, j'ai plus trop d'idées sur FUT. J'ai plus trop d'idées en fait. Je vais vous dire la vérité, j'ai plus trop d'idées de série. Je sais pas ce que c'était ça comme me passe. J'ai plus trop d'idées de série donc. J'aimerais que vous m'aidiez dans les commentaires si possible. 4-0, voilà, c'est très simple, les gars. J'aimerais bien que vous m'aidiez dans les commentaires à. Bah, tout simplement, bah, à me dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Parce que bah, j'ai vu que la charmante ça plaisait beaucoup. Donc, si ça vous plaît ce petit jeu, bah, je vais. Ce petit jeu, plutôt ce gros jeu, c'est quand même un truc de fou, hein, les gars. Fait Ultimate Team gratuit, c'est pas tous les jours. Ouf, ça aurait été le premier but en lucarne. Donc franchement, bah franchement les gars, dites-moi si vous voulez que je fasse des autres vidéos. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autres jeux, les gars? Franchement, aidez-moi parce que je galère, les gars. Je vais vous. Elle est sur le poteau. Eh mais c'est trop bizarre ces corners. J'ai plus d'idées, voilà. Je vais être honnête avec vous. Je l'ai toujours été. Et voilà, j'ai plus d'idées. Review, je sais plus de qui, j'ai plus beaucoup de crédits tout simplement parce que bah, j'ai fait le con, j'ai acheté plein de joueurs, après je les ai revendus, j'ai misé sur l'achat à vente, sur les tots qui pas en fut millionnaire, mais sur les tots genre un petit monopole sur un tots qui a complètement foiré, donc j'ai perdu plus de 200 000 crédits. Il y a vraiment pas mal de trucs qui ont fait quand je perds beaucoup de crédits et bah j'ai plus assez pour vous. Voilà, match fini. J'ai plus assez, par exemple, pour faire une équipe only boost, truc comme ça. J'ai, mais c'est pas pareil, quoi. Avant, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de crédit. Puis maintenant, ben voilà. Voilà, donc le match est fini, les gars. On va parler plutôt de ce jeu maintenant parce qu'il me plaît vraiment, vraiment, vraiment bien. Je l'adore ce jeu. 541 crédits en plus. Franchement, 100 crédits. Niveau 1, voilà. On gagne 100 crédits. Un pack. On va ouvrir le pack ensemble. On va faire un petit pack opening. Un mini pack opening. Boutique. Mes packs. Ouvrir pack. Allez. Alors, comme vous voyez, on peut faire des. On peut ouvrir. Oh, un autre pack gratuit. Utilisez pack. Tout stocker dans le club. On va tout stocker. C'est rien de vendre, les gars. Par contre, on te vend. Encore un autre pack.
On a écoulé tot. On va pu avoir un petit boost, hein, c'est pas de refus. Tout stocké dans le club. Voilà. Donc, on va voir. On va voir ici, les gars, parce qu'on en a reçu des 500 crédits, normalement. 500 crédits. 100 crédits, un pack. Ah oui, c'est 100 crédits, un pack. C'est ça? Marqué 10 buts. Ah bah ouais. Attendez, attendez, y a un truc bizarre là. Ah, en ligne! Ah bah voilà, bah j'ai fait une connerie, j'ai marqué en ligne. Utiliser maintenant. Utiliser récompense, bah ça me donne 100 crédits, un pack. Donc allez, on va encore ouvrir le pack, les gars. Je suis niveau 5. Boutique. Pack premium. Et pack bronze. Oh là, voilà, c'est bien, c'est bien. Pack bronze premium. J'ai eu 100 crédits. C'est pas mal. Utiliser l'élément. Voilà, donc je commence déjà à avoir quelques crédits, les gars, même si vous dites c'est rien du tout. C'est déjà ça. Attendez, attendez, attendez. Sema, tu joues où, toi? On va te garder, on va te garder. Stocker dans le club, tu t'es fou, toi. Tout stocker dans le club. J'ai encore un pack, donc des contrats. Bon, de toute façon, c'est ce que c'est, hein, les contrats maintenant. Voilà, ça me donne 4 contrats. Bam, tout stocker dans le club. Et bam. Maintenant, quitter. Quitter. Surenchère, il y en a eu 3. Sur qui? Sur qui? Qui tu surenchères comme ça? Qui? Donc sur Chama, qu'ils ont surenchéri à 300. Ici à 350. Et ici à 350. Celui-là, je l'ai toujours pour 300, n'est-ce pas? Voilà. Donc celui-là, on va le vendre en vente rapide. Comment on fait? Attendez, ça a bugué. Alors, je comprends pas comment on fait. Voilà. Donc, on est dans la boutique, dans l'attribué. Tout vendre. Donc, j'ai gagné 4 crédits, les gars! Ouais! 4 crédits! Genre, j'ai 2054 crédits. Et je vais essayer de monter jusqu'à 5000, les gars. Et pourquoi pas faire un petit une petite série sur ce club, sur ce jeu, je sais pas les gars, je sais pas. Proposez-moi des trucs, franchement, si vous voulez que je vous fasse des petits trucs sur ce jeu. Je crois que je suis le premier à mettre une vidéo sur ce jeu. Je sais pas du tout, je suis pas sûr, mais je crois que je suis le tout premier à le faire. Et franchement, je suis très très content. Non. Et je suis très très content. Très très classe les gars, très 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 classe comme jeu. Je sais pas quoi vous dire d'autre, franchement. Ah, j'ai eu Gouzane. Voilà, on va vendre vite fait les gars. Et après, ben on va se quitter là-dessus. On va l'attribuer, on va juste faire notre équipe vite fait. J'ai gagné 16 crédits sur lui, donc faut que je prenne Gouzane plusieurs fois. Faut que je prenne des joueurs à 79 de général. On va quitter. Hop là, on va aller vite fait, bah, faire une équipe type. Gestion d'équipe, on va en créer une nouvelle les gars ensemble. Créer une nouvelle équipe. Manuel. Les biatchs. Les biches. Non. Dédicace à Léo. Les bricks. Créer équipe. Donc voilà, on va créer vite fait notre équipe, les gars. Donc les deux attaquants principaux, ça va être tout simplement Morata. Et ici, on va juste mettre le MC que j'ai adoré, franchement. C'est comment il s'appelle? Il est où? Il est où? Comment ça se fait que je le fais? Bizarre. Il est gauche. Bah, de la vitesse, quoi. Un autre athée. On va faire vite fait l'équipe principale, les gars. Je pense que je vais mettre lui parce qu'il a plus de tête. Mes droits 77, 70, 76 de vitesse. Ici, on va mettre ben. Ah, il est là-bas. J'ai cru que c'était un argent là-bas. Ah, là-bas, je te veux, moi. Trop bon. Je te veux là-bas. Bon, blague pourrite. Ok. Il a plus en tête, donc on va mettre lui. Ici, on va plutôt changer. Changer avec club. On va mettre lui parce que ça fera un lien vert entre les deux. Voilà ce que je me disais. En défense, on va mettre deux anglais. Donc,
Oh, un défenseur. Oh, celui-là, je vais le garder pas mal de temps parce que voilà, il est anglais, il a 78 de vitesse. Donc on va essayer de changer. On va essayer d'avoir un trait vert. Est-ce que comme ça j'ai un trait vert? Non. Donc on s'en fout. On va changer et on va mettre ça. Est-ce qu'au milieu central j'ai un joueur anglais? Non. À droite, Jackie. On va faire vite fait l'équipe les gars, comme ça. On est tranquille après. Et je vais vous laisser là-dessus. Défenseur gauche. Voilà. Gardien. Un anglais. Et voilà. Donc notre équipe qui a 52 de gêne, 52 de collectif. C'est plutôt pas mal les gars. C'est déjà ça. C'est un début. C'est un début les gars. Il faut toujours commencer. C'est comme si on recommençait fut en gros. C'est exactement comme si on recommençait fut. Sauf que on recommence pas à fut. Et ouais, on recommence un autre jeu, donc j'ai déjà 2370 crédits. Je vais continuer un petit peu l'achat-vente. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu, donc c'est-à-dire sur FIFA World. Sur FIFA World. Donc je vous redis un peu les gars. Ce jeu, il faut tout simplement aller dans le lien de la vidéo pour pouvoir le télécharger. Ils vont vous dire de télécharger Origin, vous devez vous créer un compte. C'est tout à fait normal les gars. Je trouve que y a rien de compliqué là-dedans. Après, j'ai vu qu'ici il y avait un attaquant bizarre là. Voilà. Sauf que le truc, c'est que moi, je vais mettre lui parce qu'il est plus rapide. Et le truc, c'est que là, on augmente de collectif. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à 4 atta à 3 attaquants. Voilà, comme ça. Non, c'est quoi? On va rester en 4-4-2. Je verrai ça pour après. Je construirai une équipe, les gars, pour que vous voyez comment ça se passe, etc., etc. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, les gars. Dites-moi tout simplement si vous voulez plus de vidéos sur ce petit jeu. Dites-moi si vous voulez des vidéos sur GTA avec des potes à moi. Dites-moi ce que vous voulez. Du Call of, etc., etc. Des petits jeux à découvrir. Comme d'autres youtubeurs le font, je suis pas obligé de faire que du FIFA, les gars. Pour l'instant, j'ai fait que du FIFA. C'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de diversification, diversité de la chaîne. Mais ça va venir. Justement, j'espère que vous le direz dans les commentaires, les gars. Et c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je bégaye un peu, les gars. Il est 7h07 du mat. Et je bégaye un peu. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mettez un pouce vert, abonnez-vous. Ciao, ciao.